Ah, eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette conférence à la découverte de la kinésiologie. J'aime beaucoup ce titre. On a l'impression qu'on va partir en expédition, qu'on va découvrir des trésors, des trucs cachés depuis des générations et des millénaires. Et c'est un peu ça quand même, hein, la kinésiologie. C'est un Oui, peu c'est ça. ça. Pour Hein? moi, c'est ça. Voilà. Alors, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Alors, ravie donc de tous vous accueillir ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, pendant qu'on démarre tranquillement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien? Voilà, comme ça on sera rassuré du point de vue technique. Et puis donc, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Hermène, alors super kinésiologue, kinésiologue de grand, grand talent, voilà. Et voilà. Et donc, moi, j'avais envie de. Je lui ai gentiment proposé de venir nous parler de la kinésiologie parce que c'est une super technique pour travailler sur soi. Et finalement, moi, je pensais que c'était vraiment très, très, très connu. Et je me rends compte que c'est quand même bien connu, mais que c'est pas forcément aussi connu que l'hypnose ou que d'autres techniques qui sont peut-être plus répandues dans la tête des personnes. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant de faire une conférence là-dessus pour bien expliquer aux gens effectivement ce que c'est la kinésiologie, d'où ça vient, à quoi ça sert, et surtout, qu'est-ce que ça permet aux personnes de comprendre sur elles, comment ça nous permet d'avancer dans nos vies. Donc, c'était vraiment ça le but de la conférence. Et donc, qui mieux qu'Emmanuel pour nous parler de ça? Emmanuel, la reine des kinésiologues, hein, Emmanuel? Il y a plein de personnes. Moi, je vais vous en parler à ma manière. Je vous parle de la kinésiologie que je pratique et qui me passionne depuis 19 ans maintenant. Et oui, c'est ça. Comment t'en es arrivé, toi, à la kinésiologie? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Oh là là! Alors, je vais te le dire, mais j'ai toujours un petit peu honte de le dire parce que moi, en fait, j'ai travaillé, j'étais ingénieure dans les télécoms et j'aimais bien ce que je faisais. Et puis, je me suis arrêtée de travailler pour garder mes enfants. Et puis, j'ai entendu un jour une conférence sur la kinésiologie. Et là, ce que je me suis dit, mais comment ça peut marcher ce truc-là? C'est pas possible. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit, mais comment on peut dire des choses aussi idiotes d'une manière aussi intelligente? Donc, il y a un petit truc qui s'est réveillé, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est que cette histoire-là. Et je me suis inscrite à toute la formation en me disant, non, non, mais je vais démonter ce truc-là. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai jamais trouvé. Et au passage, je me suis vraiment mais passionnée pour cette technique dont j'ai fait mon métier. Et puis très vite, je suis devenue formatrice aussi pour former des kinésiologues. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la kinésiologie. Et c'est de formation que je me suis dit quand même, ce serait que je reçois une séance pour voir ce que ça fait, si ça marche. C'était comme ça ma rencontre. C'est pas standard comme rencontre, hein. Souvent, les gens qui arrivent en kinésio, ils prennent un rendez-vous parce qu'ils ont une problématique et ils voient d'abord un kinésiologue et ils font des séances avant de se dire, je vais en faire mon métier et je vais me former. Moi, c'était pas ma démarche. Ça l'est devenu après. Ah, c'est intéressant. Donc, tu veux dire qu'au début, quand tu t'es intéressé à ça, c'était vraiment pour comprendre pourquoi ça marchait en mode, je suis sûre que c'est pas bien. Ah, c'était pas pour comprendre comment ça marchait, c'était pour montrer que ça ne marchait pas. C'est très différent. Mais oui, parce que moi, je venais du monde. Tu vois, j'avais fait des études scientifiques et pour moi, voilà, tout ce qu'on faisait en kinésiologie, ça n'avait pas de sens et c'était au-delà de ce que je pouvais comprendre et expérimenter. Et alors, le monde des émotions, le monde du corps, c'est pas du tout quelque chose que je prenais au sérieux. Pour moi, il y avait la tête et ce qu'on pense, et c'est notre volonté qui dirige tout. Je vivais dans ce monde-là à ce moment-là, mais je pense que même si consciemment j'ai rencontré la kinésiologie comme ça, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait, j'ai besoin d'aller comprendre ce que c'est vraiment la vie et comment ça fonctionne un corps et comment ça fonctionne un cœur, parce que je crois qu'en fait, j'étais un peu sevrée de ça à ce moment-là, dans cette vie-là que je m'étais construite. Et ouais. Et donc c'est intéressant ce que tu dis parce que on ne sait pas tout à fait ce qu'on peut appeler une médecine parallèle, mais souvent dans ces médecines un peu différentes, ce qui est reproché par des personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est justement le côté parfois qui peut passer pour un peu farfelu, le côté pas très cartésien et pas très scientifique. Et alors qu'en fait, bon, on va en parler, mais la kinésiologie, il y a un vrai côté cartésien et scientifique. C'est vrai que ça nous emmène ailleurs, mais ça fait vraiment référence à des choses scientifiques, des choses qu'on peut vraiment évaluer.
Ah oui. Je prends un exemple tout simple. Si jamais une personne vient parce qu'elle a un torticolis, ce qui s'est passé hier, tu vois, et la personne, elle bougeait comme ça. OK? Et donc, on a été écouter quelques émotions et en 5 minutes de temps, il se passait ça. Donc ça, c'est mesurable. Une amplitude articulaire, c'est mesurable. Et une douleur aussi. Si on a tellement mal qu'on ne peut pas tenir debout et puis qu'après une séance de kinésiologie, on peut se lever, même si le corps il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour faire régresser l'état inflammatoire, il ne va pas falloir faire de folie non plus. Mais ça, c'est complètement mesurable. Et moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir la preuve. J'ai toujours eu besoin de mesurer les choses. Et c'est présent dans ma pratique et dans ma manière d'enseigner, oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que dans tout ce que tu vois là, en kinésiologie, dans tous les patients que tu as eus, dans effectivement toutes les formations que tu peux donner, est-ce que tu pourrais dire que tous les résultats que tu vois, c'est vraiment des résultats qui peuvent s'expliquer physiquement? Alors, en tout cas, s'expliquer, je ne sais pas, mais se mesurer, ça, c'est sûr. Par exemple, une personne vient en consultation, je vais lui demander, alors, quel est le motif de votre venue? Et donc, si c'est une difficulté pour dormir, je vais lui dire, mais vous dormez combien d'heures par nuit? À quelle heure vous vous réveillez? Combien de réveils vous avez? Et je note tout. Et après, je me pose la même question pour savoir si ça a bougé. Et ça, moi, je le mesure. J'ai besoin, parce qu'on a besoin de mesurer. Une personne, elle vient en consultation pour un motif précis. Moi, je dois l'accompagner pour résoudre ce motif-là. Normalement, en 2 ou 3 séances, ça doit être réglé. Sauf si la problématique, elle est en place depuis très longtemps, comme un état dépressif qui est en place depuis 10 ou 15 ans, ça peut demander 5-6 séances. Là, d'accord. Mais donc, et moi, j'ai toujours eu besoin de mesurer ça, que ce soit une amplitude articulaire, que ce soit des difficultés d'apprentissage. Ben, à ce moment-là, je vais prendre les notes. Je vais dire où est-ce que tu as des difficultés, quelle matière? OK, quelle est la moyenne? Et puis, au bout de quelques séances, ben, la moyenne, elle doit monter. Si on a levé les blocages qui empêchent l'enfant ou l'adolescent d'aller utiliser tout son potentiel pour avoir les résultats qu'il est en mesure d'avoir. Ça se mesure. Moi, je prends des points de repère et on apprend à nos stagiaires en formation à prendre des points de repère. C'est important ça. Alors, j'ai plein de questions à poser, mais du coup, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient la kinésiologie? Qui est-ce qui a inventé ça? Ça vient de quelle civilisation? Est-ce que c'est quelque chose de très européen? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est tombé comme ça du ciel? Qui c'est qui a trouvé la kinésiologie? Alors, ça s'est fait. La kinésiologie, c'est un assemblage de plusieurs techniques. Donc, c'est né de ce qu'on sait. Parce qu'avant, tu vois, il y a des techniques qui sont un petit peu tenues secrètes. On sait faire, mais on ne dit pas. Donc, de ce qu'on sait, c'est Gordon Stokes, pardon, c'est Goodhart, qui est un Américain, qui est à l'époque chiropracteur. Et qui a une connaissance également de la médecine chinoise et qui étudie un petit peu tous les points réflexes du corps que l'on connaît, notamment les points réflexes de Chapman, les points neurolymphatiques, les points neurovasculaires. Et bah, comme il y a cette connaissance du corps, il commence à utiliser le test musculaire et à faire les liens entre les tests musculaires et les méridiens d'acupuncture. Et c'est comme ça que va naître la technique la plus connue en kinésiologie, qui est santé par le toucher. Et il se trouve que le premier livre sur la kinésiologie est écrit par John T, qui était un élève de Goodhart. Et Goodhart ne voulait absolument pas divulguer son savoir, mais John T a eu envie d'écrire un livre. Et l'intention première, c'était d'écrire un livre pour que les mères de famille puissent équilibrer les enfants, les maris, pour qu'ils soient en pleine forme pour entamer leur journée. Donc, Goodhart a donné à John T de réaliser ce joli projet. Et en fait, le succès, il a été rencontré par ce livre, mais pas tant par les mères de famille, mais beaucoup plus par les thérapeutes et les psychothérapeutes. Et c'est comme ça qu'est née les bases de la kinésiologie. Et ensuite sont venues agrémenter sont venues s'agrémenter d'autres techniques, notamment les techniques émotionnelles.
donc qui nous ont été amenés par Gordon Stokes et Daniel Whiteside. Le fil conducteur, c'est toujours le test musculaire. Et puis ensuite, il y a eu des techniques comme le Brain Gym, amené par Paul Denison, qui va beaucoup plus traiter les difficultés liées à l'apprentissage. En deux mots, s'il y a une difficulté d'apprentissage, et que ce soit la lecture, que ce soit pour jouer d'un instrument de musique, où on va devoir coordonner le corps et faire travailler ensemble l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, quand on les fait travailler ensemble, il faut qu'ils puissent parler ensemble, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et donc, c'est le corps calleux, le point de rencontre. C'est là où ils s'entendent, là où ils s'écoutent, là où ils se parlent. Eh bien, s'il y a des émotions, des traumatismes, des chocs, des inconforts, ça va empêcher la rencontre et la coordination de ces informations. Et donc, sur un exercice, par exemple, comme la lecture, où il va falloir analyser le mot, le décortiquer et ensuite associer un mot ou une histoire. Par exemple, on va agencer ensemble les lettres B-A-T-E-A-U du mot bateau, et puis le cerveau, avec le cerveau gauche, et puis le cerveau droit, lui, il va aller chercher l'image du bateau et il va l'associer au mot bateau. C'est comme ça qu'on comprend une histoire. Eh bien, c'est impossible de le faire si le corps calleux, il bloque la communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et en édukinésiologie, et particulièrement en brain gym, on va apprendre en faisant bouger à la fois les parties gauche du corps et les parties droites du corps en même temps. On va réapprendre mécaniquement au cerveau droit et au cerveau gauche à travailler ensemble. Parce que si je bouge ici mon bras droit et ma jambe gauche, je fais travailler mon hémisphère gauche parce que c'est celui qui est connecté à ma main droite, et mon hémisphère droit parce que c'est celui qui est connecté à ma jambe gauche. Donc, je les oblige à travailler ensemble. C'est la technique qu'on va utiliser en brain gym pour diminuer les impacts des stress liés à l'apprentissage. Ok. Donc, du coup, j'entends hein, d'où vient la kinésiologie, mais donc ça n'a pas forcément un rapport précis avec tout ce qui est médecine chinoise, alors. Le rapport avec la médecine chinoise, c'est Goodhart qui connaissait la médecine chinoise et qui la pratiquait et qui a fait le lien entre les méridiens d'acupuncture et les muscles. C'est-à-dire, donc, il y a quelques années, j'enseignais dans une école de médecine chinoise sur Amiens, et je leur enseignais quoi ? Parce qu'ils étaient beaux, ils étaient très très pointus sur tout ce qui était méridien d'acupuncture, ostéopathie chinoise, pharmacopée. Je leur enseignais les tests musculaires. Pourquoi ? Parce que en médecine chinoise, pour savoir s'il y a un vide ou un excès d'énergie dans un méridien, on va prendre les pouls chinois, ce qui est une technique très très délicate. Il doit y avoir une trentaine de ressentis que parfois on met 5 à 10 ans avant de capter. Eh bien, c'est assez scandaleux de simplicité parce que, et c'est ce qu'a trouvé Goodhart, c'est qu'un muscle est associé à un méridien d'acupuncture, et il suffit de combiner le test musculaire du muscle associé au méridien avec un point d'alarme pour savoir si ce méridien il est en vide et en excès d'énergie. Et ça s'apprend très très vite, c'est facile. Contrairement à la prise des pouls chinois qui va être très très délicate et qui va demander beaucoup beaucoup d'entraînement. Là, il y a deux opérations à faire et on sait quels sont les méridiens qui sont en excès d'énergie, quels sont les méridiens qui sont en vide. Donc dans cette école de médecine chinoise, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Une fois qu'ils avaient fait leur équilibration, ils avaient la possibilité de vérifier leur diagnostic énergétique, et puis une fois qu'ils avaient équilibré, de vérifier que l'équilibre énergétique était bien rétabli dans les méridiens d'acupuncture. Et de le faire d'une manière plus rapide qu'en prenant juste le pouls chinois, c'est ça ? Oui, plus rapide que s'ils devaient, pour être sûr de leur diagnostic, s'exercer pendant 5 ans. Et ça vient aussi conforter. Est-ce que la réponse que m'apporte le test musculaire, elle est bien conforme à la réponse que m'a apporté la prise du pouls chinois ? C'est ça. Donc en fait, la base de la kinésio, c'est le test musculaire. Ah oui. C'est vraiment ce qui réunit toutes ces techniques un petit peu différentes en kinésio qui sont enseignées dans les écoles de kinésiologie. Hein. C'est le test musculaire. Le test musculaire, il va nous dire
ou le stress, il va nous dire quelle est l'équilibration qui va permettre de résoudre ce stress, et il va nous permettre, une fois que l'équilibration est faite, de vérifier que l'équilibration a bien été réalisée et que le stress est levé. Mmh. Ok. Et je crois que tout à l'heure, tu me feras une petite démonstration de ce test musculaire. Allez, d'accord. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de se prêter au jeu et je pourrais montrer les pré-tests et puis la recherche d'une émotion et puis montrer techniquement à quoi ça correspond ce test musculaire. Sachant que moi, je vais utiliser un muscle, mais on peut tester tous les muscles du corps. C'est ça. Parce qu'on pensait vous le faire à distance comme ça. Je mettais le bras et puis Manuel faisait... Mais ça... Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas en fait. Et alors, il y a un truc qui est super intéressant du coup. En kinésio, la base, tout part du corps en fait. Moi, quand j'ai introduit la conférence, parce que donc moi je suis pas du tout kinésiologue, mais j'ai fait plusieurs séances en kinésiologie tellement je trouve que c'est ça repose le mental. On sait pas ce que vous faites, on sait pas les questions que vous posez, donc on se laisse faire. C'est pour ça, c'est magique. En tout cas, pour moi, c'est très reposant. Et c'est vraiment moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le corps garde tout en mémoire. Et qu'avec le test musculaire et avec tout ce que vous faites, en fait, vous creusez, vous allez chercher où est stockée l'information dans le corps, dans le cerveau, dans les émotions. Est-ce que c'est un peu ça ou pas ? Oui, c'est ça. Le test musculaire, c'est une manière, par le biais du corps, d'aller écouter ce qui a été enregistré dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a tout. Dans l'inconscient, il y a toutes les sensations, émotions qui ont été vécues, qui sont enregistrées. Et en fait, quand la personne vient avec une difficulté, je ne sais pas moi par exemple, elle a peur des araignées, on va aller poser la question par le biais du test musculaire et la formation, ça apprend à poser justement les bonnes questions parce qu'un kinésiologue, il ne fait que ça, il pose des questions hein, au corps. Ça. Donc, une fois qu'on sait poser la question, on va, le corps, très très gentiment, d'ailleurs, il va nous répondre. Et si on lui pose la question, à quel âge ça a commencé, à quel âge s'est mise en place cette peur des araignées, il va nous répondre. On va lui poser la question en lui disant, est-ce que c'était entre pendant la vie fœtale, est-ce que c'était entre 0 et 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 15 ans, et il va nous répondre. Et on va pouvoir lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était en lien avec la famille, avec les apprentissages, avec est-ce que c'était pendant les vacances ? On peut apprendre, on peut lui poser toutes les questions et quand il y aura du stress, on va avoir un test faible. Ça voudra dire que oui, là, ça a été difficile pour moi et ce sera en lien avec la peur des araignées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le test musculaire, c'est une façon de tester comment réagit le corps. Et en gros, soit il réagit bien et ça veut dire qu'il n'y a pas de stress, soit il lâche un petit peu, ce qui veut dire que là, il y a une source de stress. Voilà. Absolument. Si c'est la convention de test qu'on a prise, oui. Voilà, c'est ça. Et ce qui vous ensuite vous permet de continuer en fonction donc, du stress que vous ressentez, d'aiguiller un petit peu les questions que vous posez au corps pour ensuite effectivement trouver l'origine de la problématique de la personne. Oui, c'est souvent ce que je dis aux enfants en consultation pour leur expliquer. Je leur dis, on va mener une enquête en fait. Et je lui dis d'ailleurs, si tu veux m'aider à la mener, moi je suis partante. Donc, ils font ça très bien d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui leur viennent, il y a des idées qui leur viennent, les adultes aussi. Hein. Donc, on mène une enquête, c'est ça. Et c'est arrivé déjà que le corps ne réponde pas ? Alors, ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, si un muscle est lésé, ce muscle-là, il ne sera pas en mesure de nous donner un verrouillage et un déverrouillage. Comme si une personne ne pouvait pas dire oui ou ne pouvait pas dire non. Si une personne qui dit toujours oui, c'est compliqué de discuter avec elle. Mmh. Une personne qui dit toujours non aussi, elle n'a pas la possibilité de changer la réponse. Donc, à ce moment-là, on ira tester un autre muscle. Mais il peut y avoir des cas de figure aussi où la personne, elle est déconnectée, comme déconnectée un peu de son système musculaire. Parce que, par exemple, elle est fatiguée ou parce qu'il y a eu un gros stress. Donc, nous, on va apprendre, on apprend, ça fait partie des techniques qu'on apprend, des pré-tests que je vous montrerai tout à l'heure, on apprend à reconnecter le système musculaire à l'unité centrale, au cerveau. Et donc, à ce moment-là, pareil, si la personne manque d'hydratation, l'information ne circule pas très bien dans le système nerveux et dans toutes les cellules du corps, donc on a une réponse qui peut être dégradée. Donc, on va aller
réhydrater la personne pour permettre à cette communication d'être fluide et fiable. Et par exemple, du coup, quelqu'un qui serait handicapé physiquement, est-ce qu'il pourrait faire de la kinésio ou pas ? Oui, il peut faire de la kinésiologie. Plusieurs cas de figure. Soit il y a des muscles qui sont testables, parce qu'en kinésio, on va apprendre à tester à peu près 70 muscles. Donc, tu vois, il suffit qu'on puisse tester le releveur de l'index et c'est bon, on a notre test musculaire. Ok. Donc, s'il y a un muscle qui est testable, on pourra le tester en direct. Et par exemple, tu vois, pour un nourrisson, ça nous arrive de faire des séances pour un nourrisson. Oui. Là, à ce moment-là, on ne va pas passer par le test musculaire en direct sur le nourrisson. On va faire, on va procéder par transfert. On va faire un transfert le plus souvent sur la maman. Et puis, on aura les réponses de ce qui se passe pour le bébé. Ok. C'est partie des deux, voilà, de la technique qu'on utilise. Et d'ailleurs aussi pour les animaux. Oui, c'est ça. Les animaux, on peut les tester direct. Hein, et parfois, on peut tester aussi en transfert. C'est ça. Ok. Ok. C'est tellement. Bref, il y a tellement de choses dans tout ça. Il y a tellement de pistes d'exploration. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui a un souci dans sa vie ? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il nous faut de la kinésio ou s'il nous faut autre chose ? Parce que la kinésio, quand on est sur la table, des fois, ça paraît un peu magique quand même. Hein. On est là, on est allongé, tu vas nous montrer, vous faites les tests, vous posez vos questions. Et des fois, c'est. Est-ce qu'il y a un peu d'énergétique là-dedans ou pas du tout ? Tu m'as posé deux questions. Alors, je vais répondre d'abord à la première. Pareil. Et après, à l'énergétique, parce que les deux en même temps, je ne sais pas faire. Donc, la première question, une personne qui aurait un problème, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question pour savoir si la kinésiologie peut l'aider ? D'abord, si elle a un souci où il y a des symptômes physiques, la première chose que je lui dirais, c'est de prendre rendez-vous avec son médecin traitant et de voir ce qui se passe là. Ça va pouvoir me donner des indices. Et s'il y a une composante émotionnelle liée à ce symptôme physique, peut-être que la kinésiologie pourra accompagner l'aide qui aura déjà été apportée, un, par le diagnostic du médecin et deux, par le traitement qu'il aura proposé. La kinésiologie, moi, je la vois vraiment comme une technique intégrative. C'est-à-dire que ça va venir vraiment en accompagnement de cette médecine qui est quand même une médecine de diagnostic qui est extraordinaire. Hein. On a beaucoup de chance d'avoir tous ces systèmes de radiographie, d'analyse médicale. Donc, la première chose que je lui dirais, c'est ça. Ensuite, je vais lui demander quelle est sa problématique, et ce que je vais chercher, moi, à savoir, c'est s'il y a des stress qui sont en lien avec des enregistrements neurologiques sensoriels ou émotionnels. Et s'il y a quelque chose de cet ordre-là, en kinésiologie, on pourra l'aider. Je te donne un exemple, n'importe lequel. Une personne qui va chez l'ostéopathe parce qu'elle a une douleur de genou. Ce que j'ai déjà très souvent accompagné d'ailleurs. Et je me souviens d'une jeune fille qui me dit, voilà, j'ai mal au genou. Et c'est une jeune fille que je ramenais du lycée, donc je la connaissais bien. Et elle faisait beaucoup de danse. Donc, ça l'handicapait énormément. Elle commençait à se dire qu'elle allait arrêter, quoi. Et je lui dis, qu'a dit le médecin ? Elle me dit, le médecin, il a dit que, voilà, qu'il ne savait pas trop. J'ai passé une radio. Ensuite, elle est allée voir l'ostéopathe. Et donc, l'idée ensuite, c'était d'aller faire une arthroscopie pour voir un petit peu ce qui se passait dedans. Parce qu'il se demandait si ce n'était pas un problème de ménisque. Enfin, voilà, c'était d'investiguer pour savoir ce qui se passait dans ce genou. Et comme elle m'a dit tout ça et que tous les examens médicaux avaient été faits, j'ai fait un truc tout bête. Hein. J'ai posé ma main sur son genou et j'ai testé. Et là, j'ai eu un stress au niveau du test musculaire. Donc, ça veut dire que... Et puis ensuite, j'ai posé la question pour savoir s'il y avait une émotion liée à cette douleur de genou. Et la réponse était oui. Donc, on est allé, mon kinésiologue, c'est-à-dire j'ai été poser les questions, et il s'est avéré qu'en fait, cette douleur de genou, elle était apparue au retour de vacances, et que les vacances, elles avaient été un peu émotionnellement compliquées parce que
Cette jeune fille, elle était partie voilà, en vacances avec sa cousine et elle s'est retrouvée toute seule sur la plage avec sa cousine et les copains de la cousine de l'autre côté à se moquer un peu d'elle. Et voilà, elle, ça lui a fait très, très mal au cœur, en fait. Et ce genou qui nous permet qui permet au jeu de nouer des liens avec l'autre, c'est là que le symptôme s'est placé. Mais le plus intéressant pour moi, tu vois, dans ma pratique de la kinésio, ça, même si je pratique depuis longtemps, ça reste une hypothèse. Jusqu'à ce que on fasse les équilibrations énergétiques et que un mois, deux mois après, la personne, quand elle, soit elle reprend rendez-vous, soit on lui dit bon, vous me repassez un petit coup de fil pour me dire ce qu'il en est, elle dit voilà, c'est terminé, je n'ai plus mal du tout, j'ai repris la danse et tout va bien. Et là, je me dis ok. Il s'est passé quelque chose. Mais moi, j'ai toujours eu besoin de ces confirmations-là parce que c'est mon fonctionnement. C'est vrai, j'ai une formation scientifique et même si j'accepte de faire des hypothèses, j'ai toujours besoin d'aller vérifier mes hypothèses. Ok. Tu peux répondre à ta question ? Mais tout à fait. Mais tu réponds toujours à mes questions. Je me demande si on ne pourrait pas essayer sans tes écouteurs, le son. On peut ? Est-ce qu'on peut faire un essai ? Vous nous direz dans le chat si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux ? Écoute, c'est un peu plus fort. Je pense que c'est pas mal. Hein, dites-nous dans le chat parce qu'effectivement... Je pense que c'est mieux. Hop. Je pense que c'est mieux. On va continuer comme ça. Puis vous nous direz dans le chat si c'est mieux ou pas. Et donc, la deuxième question, c'était un petit peu sur l'énergétique alors. Est-ce qu'il y a un peu d'énergétique en kinésio ou comment ça se passe ? Ah bah, de toute façon, de l'énergie, il y en a partout dans l'univers, partout dans le corps, à l'extérieur du corps. Comment n'y en aurait-il pas au kinésio ? Donc, quand on travaille sur des techniques comme santé par le toucher, le niveau d'énergie dans chaque acupuncture. Donc, on est en train de faire de l'énergétique. On va aller solliciter et rééquilibrer par le biais de points réflexes, soit en activant le système lymphatique, soit en activant le système vasculaire, le réseau sanguin, et ça va permettre de ramener de l'énergie là où il n'y en a pas assez, dans les méridiens où il n'y a pas assez d'énergie, ceux qui sont en vide, et ça va permettre de diminuer le niveau d'énergie des méridiens en excès d'énergie, qui peuvent créer des stases énergétiques et des douleurs aussi, des inflammations. Ah, le son, c'est mieux, super. Oui, c'est oui, parce que des fois, on teste le son avant la conférence et puis après, quand on est en ligne, comme ça tire plus sur la ligne parce qu'on est en direct, du coup, le son parfois est un peu moins bon. Donc là, du coup, on est bien là. Du coup, tout le monde nous entend. Reparle-nous du test musculaire. Moi, je trouve que c'est quelque chose... Reparle-nous du test musculaire. Comment ça fonctionne, ce test musculaire ? Eh bien... Tous les muscles sont reliés par des fibres sensitives qui vont rejoindre, donc par des nerfs en fait, qui vont rejoindre le réseau nerveux, passer via la colonne vertébrale et puis aller jusqu'au cerveau. Donc ça veut dire que le cerveau, il reçoit l'information de ce qui se passe dans un muscle et il peut aussi envoyer une information au muscle. Il y a un feedback d'information entre le muscle et le cerveau. Et c'est ce que nous, on utilise. Donc, par exemple, on va poser une question au corps. Par exemple, on peut dire, est-ce que tu t'appelles bien Muriel ? Et là, si ça génère un stress, il va y avoir un test faible. Si ça génère pas de stress, il va y avoir un test fort. C'est un peu comme un détecteur de mensonges, des fois. Oui, c'est ça. Au lieu d'utiliser leur truc qui fait comme ça, il ferait mieux d'utiliser le test musculaire. Est-ce que les gars, ils pourraient mentir, honnêtement ? Tu vois, dans les tests musculaires, dans les séries américaines, quand ils font le détecteur de mensonges, il y en a qui sont très forts et qui disent qu'ils peuvent faire mentir le détecteur de mensonges. Est-ce qu'ils pourraient faire mentir un test musculaire ? Peut-être. Ouais ? Peut-être parce que nous, ce qui se passe en kinésio, c'est que notre inconscient de kinésiologue, il écoute ce qui se passe dans l'inconscient de la personne qui est sur la table. Et si la personne se ment à elle-même,
eh ben, il n'y aura pas de test. Si la personne, elle s'est raconté une histoire et qu'elle y croit comme si c'était la vérité, il n'y aura pas de stress. D'accord, ok. Ok. Ok, mais donc c'est ça, c'est vraiment donc le test, il est relié, le muscle est relié au cerveau, d'accord. Et il y a aussi pas mal de liens, est-ce que entre la kinésiologie et les neurosciences, parce que parfois quand on fait des stages avec toi, tu nous en parles et tu parles de choses comme ça très scientifiques, qui prouvent bien toutes ces interactions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors d'abord, on en sait de plus en plus parce que on a une imagerie qui progresse et donc on peut savoir quand une personne parle quelles sont les zones de son cerveau qui s'activent par exemple. Donc on peut savoir quand une personne parle, il y a la zone de Broca qui va s'allumer dans le cerveau. Bon, et quand il y a un stress qui est en lien avec une fonction du cerveau reptilien, donc en lien avec le tronc cérébral, c'est celui qui va être juste en haut de la colonne vertébrale, en dessous de l'occiput. Eh bien, c'est cette zone-là qui va recevoir un afflux sanguin. Donc ça va se voir à l'imagerie. Ça veut dire qu'il y a une information qui est en train de travailler et c'est cette partie-là du cerveau qui travaille. Nous, on travaille beaucoup avec les blocages émotionnels, mais aussi ceux du reptilien et du cortical. Mais toujours est-il que dans le cerveau limbique, donc le cerveau qui est entre sur la partie la plus haute et puis le cerveau reptilien, je dirais au milieu des temporaux, voilà, qui sont ici, à peu près à ce niveau-là, mais au centre de la tête. Ce cerveau reptilien, ce cerveau limbique, quand on a une émotion, il faut savoir que l'information, elle s'active à cet endroit-là et elle va rebrancher toutes les séquences de vie où j'ai déjà ressenti cette émotion. Est-ce que c'était, par exemple, si je rentre en cours de maths et le prof, il dit, aujourd'hui, rangez vos cahiers, sortez une feuille, interro surprise. Si jamais ça génère chez moi une émotion, ça va rebrancher dans mon cerveau limbique toutes les fois où j'ai entendu sortez une feuille blanche, il y a une interro surprise. Donc, non seulement ça va rebrancher toutes les fois où j'ai entendu ça neurologiquement, où j'ai capté ce son, mais ça va rebrancher aussi toutes les merveilleuses émotions que j'ai pu vivre à ce moment-là. Si j'avais envie qu'il y ait une interro surprise, ça a généré une émotion positive parce que j'avais révisé mon cours. En revanche, si j'ai pas trop révisé le cours, j'ai oublié et qu'il y a une interro surprise, ça peut réveiller une émotion négative ou une émotion qui va générer chez moi du mal-être. Et donc, l'émotion que je vivrai au présent, elle sera teintée de l'émotion que j'ai vécue dans le passé. Et là, j'ai pris un exemple du passé, mais ça peut être 5, 10, 15, 20 exemples du passé. Et ça, ça se voit à l'imagerie médicale, tu vois, ça pourrait se voir. Alors nous, on n'est pas équipés d'imagerie médicale, mais c'est aussi un petit peu comme ça qu'on s'est mis à comprendre comment ce qu'on faisait depuis longtemps, ça fonctionnait. Ça nous a apporté vraiment des clarifications. C'est ça, oui. Donc, il y a Alexandra qui dit, donc en séance, vous avez de l'imagerie. Non, effectivement, vous n'avez pas l'imagerie qui va avec. Mais il y a des tests qui ont été faits, des tests d'études qui permettent d'avoir cette réponse-là et de savoir qu'effectivement, il y a un lien qui pourrait se voir, il y a une action physique qui pourrait se voir effectivement si on faisait des scans ou des IRM à ce moment-là. Oui, mais moi, ça, j'adorerais, moi. J'adorerais effectivement faire une séance avec une personne qui serait appareillée et on verrait comment ça fonctionne dans son cerveau. Alors, si quelqu'un a une imagerie de dispo, moi, je veux bien jouer. Hein. Alors, l'appel est lancé. Donc, il nous faut une imagerie de dispo, il nous faut des personnes volontaires et hop là, comme ça, on fait la séance en direct, on voit exactement où ça s'illumine dans le cerveau. Et oui, parce que c'est tellement scientifique finalement quelque part que, et en même temps c'est tellement aidant que si le prouver, enfin si tu vois, si montrer aux gens qu'effectivement scientifiquement il se passe quelque chose, ça leur permet d'aller vers ces méthodes-là, qui sont des méthodes qui permettent de se connaître quand même drôlement mieux et de s'accepter mieux et d'être plus apaisé dans notre vie, ça vaut carrément la peine, tu vois. Alors oui, c'est une possibilité et moi je le ferai parce que je t'ai dit, j'aime bien voir le résultat et j'aime bien comprendre et j'aime bien aller chercher des preuves tangibles, mais bien souvent, c'est pas exactement comme ça que ça se passe en pratique, parce que, tu vois, quand on tient une démarche scientifique, on fait,
une hypothèse, une démonstration, mais il y a aussi une manière de montrer, il y a aussi un autre raisonnement scientifique qui est le raisonnement empirique. C'est je répète une expérience une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et si jamais au bout de 100 fois, j'ai le même résultat, je peux en tirer une théorie de reproductibilité. Eh ben moi c'est ça que je vis depuis presque 20 ans en kinésiologie. C'est-à-dire et il me fallait ça parce que moi j'avais besoin de répéter cette expérience là et de voir que ah bah oui, c'est incroyable, je ne comprends pas mais là j'ai fait ça, j'ai été écouter ça, j'ai pas toujours la compréhension de ce que de la raison pour laquelle ces deux choses-là étaient en lien, mais effectivement quand j'ai été équilibrer ce muscle-là, cette douleur à cet autre endroit du corps, c'est solutionné. Alors, on a de plus en plus d'éléments de réponse et les compréhensions, bah voilà, je commence à comprendre maintenant parce que ça fait 20 ans que la nature humaine me passionne et quand je dis nature humaine, ça comprend les fonctionnements cérébraux, ça comprend les émotions, mais ça comprend aussi le corps et les sensations du corps. C'est quand même fou d'aller... une personne, elle vient parce qu'elle a des crises d'angoisse et je vais chercher des informations et à un moment donné, on arrive à une époque où il s'est passé quelque chose qui a été compliqué pour elle et son corps se met à trembler de tous ses membres. Et à la fin, une fois que la séance est intégrée, la peur diminue petit à petit. Ou des fois, elle diminue, alors là, encore plus incompréhensible, elle diminue d'un coup. C'est-à-dire qu'il n'en est même plus question et il arrive hein, des fois que la personne, elle revienne à la consultation suivante et, qu'elle, et que donc moi, je lui pose la question parce que je note tout. Et je lui dis, on a travaillé sur ça. Elle me dit, ah bon ? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Tu vois ? C'est, ça, pour moi, c'est, voilà, c'est une jolie preuve que, OK, il s'est passé quelque chose. Ça a bougé. Oui. Et donc, on vient te voir, on va dire, donc si on a quelque chose dans le corps qui ne va pas bien, on a mal quelque part, et comme ça, tu peux retrouver d'où ça vient. Mais on peut aussi venir avec des problématiques plus émotionnelles tout de suite, en disant pourquoi est-ce que tel événement ou telle chose ne marche pas dans ma vie, pourquoi c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément physiques, mais qui sont peut-être plus émotionnelles au départ et qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Et toi, avec le test et tout ça, tu peux aller retrouver d'où ça vient. Ah oui, bien sûr. Ça peut être en relation avec des émotions comme les peurs. Ça peut être un motif de consultation. Des fois, c'est je me mets en colère tout le temps, quoi. Et quand je me mets en colère, j'ai peur de faire du mal aux gens que j'aime et j'arrive pas à juguler moi-même ces colères et je sais pas pourquoi et je sais pas d'où ça vient. Mais des fois, ça peut être des difficultés dans les relations amoureuses. Ou dans les relations familiales, ou avec son patron, ou avec ses enfants. Donc, ou ça peut être des situations de deuil aussi. J'arrive pas à faire le deuil d'une relation amoureuse, ou d'un travail, ou de certaines études que j'ai pas pu faire, ou d'une maison, ou bien sûr d'une personne, ou d'un animal. Et oui, donc la palette est vraiment, la palette. J'ai presque envie de dire que ça couvre quasiment tous les types de besoins qu'on peut avoir. Qu'est-ce que ça pourrait ne pas couvrir ? Est-ce qu'il y aurait un domaine qui pourrait ne pas être est-ce que par exemple il y a un domaine dans lequel tu sais que t'as jamais personne qui est venu te voir sur ce sujet-là ou sur cet aspect-là ? Non, mais il y en a plein. Je veux dire, si la personne elle se casse une jambe, eh ben là, il faut pas du tout aller voir le kinésiologue. Hein. Ah ben non. En revanche, si il y a des douleurs résiduelles par rapport à la fracture qui s'est résorbée, ou s'il y a des émotions résiduelles par rapport à la manière dont je me suis cassé la jambe, là, oui, là, on va pouvoir accompagner. Une fois que le travail de réparation chirurgien et du kiné, etc., aura été réalisé. D'accord. Alors, tu vois, il y a Alexandra qui dit, donc, la kinésio, c'est neuro plus émotion plus sensation physique. Oui, sensation physique corps. Mais pas toujours, parce que des fois, ça peut être absence aussi de sensations physiques. Donc, je mettrais plus corps, parce que des fois, il y a un problème au niveau du corps et c'est pas forcément en lien avec les sensations physiques. Et je rajouterais peut-être aussi énergétique, parce qu'on travaille sur l'énergie qui circule à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du corps. Et c'est pas forcément en lien avec le système neurologique, c'est pas forcément en lien avec l'émotion, c'est pas forcément en lien avec le corps. D'accord.
Donc ça, si on rajoute l'énergie autour, on a tout. Et c'est d'ailleurs, c'est une très bonne remarque d'Alexandra, parce que c'est ce qu'on appelle le triangle de la santé, avec un côté structurel, un côté psycho-émotionnel, et puis un côté énergétique. Ok. Ok. Tu vois, une autre question de d'Evelyne qui demande si ça peut soigner l'alcoolisme. Alors, soigner, c'est le bon terme, parce que l'alcoolisme, c'est une maladie. Et ça m'est arrivé d'accompagner effectivement des personnes qui souffraient d'alcoolisme. Alors, la question est, depuis combien de temps ? Parce que si ça fait longtemps, dans les deux cas, on peut intervenir en kinésiologie. Mais si ça fait longtemps, ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que l'alcoolisme, comme toutes les addictions, hein, que ce soit une addiction par rapport au tabac, ou une addiction par rapport à l'herbe, le cannabis, ou une addiction par rapport aux jeux vidéo, une addiction par rapport au sport, une addiction par rapport au sexe, c'est une addiction. Et le principe de l'addiction, alcoolisme ou autre, c'est que il y a un niveau d'anxiété, voire d'angoisse qui monte tellement que j'ai besoin d'aller chercher une substance pour faire baisser le niveau d'anxiété ou d'angoisse. Donc, nous, ce qu'on va faire en kinésio, c'est qu'on va aller écouter quelles sont ces angoisses qui ont été enregistrées et qu'il faut à tout prix calmer tous les jours, et la dose n'est jamais suffisante. On va aller endormir l'impossible confrontation à ce qui nous a fait souffrir et continue à nous faire souffrir. Donc, ça peut être en lien avec un deuil, avec une séparation, avec des maltraitances, avec plein de choses, mais des choses qui ont été mal vécues. Et c'est ça qu'on va aller écouter en kinésiologie. D'accord. Ok. Quand il n'y a plus besoin de calmer la douleur, il n'y a plus besoin. Mais oui, j'ai parlé, ça peut être aussi une addiction aux médicaments, hein, parce que c'en est une. Quand il n'y a plus besoin de calmer la douleur, il y a de moins en moins besoin de l'alcool. Alors après, évidemment, une fois que l'habitude est prise, il faudra aussi faire l'effort de vivre le sevrage, et ce n'est pas facile. S'il y a moins de raisons de douleurs psychiques qui nous poussent à aller chercher quelque chose qui va nous permettre de moins entendre cette douleur psychique, y a moins de raisons d'aller se servir un verre. Mmh. Ok. Ça peut être transgénérationnel tout ça ? On peut remonter sur des histoires transgénérationnelles ? Bah oui. Oui, oui, on peut. On peut aller chercher des âges de l'enfance, mais on peut aller aussi chercher des informations qui ont été engrammées dans les lignées précédemment. De la même manière, je dirais que une émotion, elle a été mal vécue et bloquée parce que impossible. Comme si elle s'était cristallisée à un endroit parce que ça n'est pas possible pour moi de laisser circuler cela. Eh ben, ça arrive de la même manière dans les arbres généalogiques. Si c'est pas quelque chose d'inacceptable et chargé émotionnellement, c'est comme si ça pouvait se transmettre. Je ne sais pas de quelle manière d'ailleurs. Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est par le biais de l'ADN? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est comme si ça pouvait se transmettre d'une génération à une autre. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une problématique qui est en lien avec un père puis un grand-père qui avait la même problématique, ça peut être physique, mais pas forcément. Hein. Ça peut être des pères et des fils, par exemple, qui ont du mal à se dire qu'ils s'aiment. Et qui ont du mal à vivre ensemble et à avoir une relation harmonieuse. Des fois, c'est transgénérationnel. Donc, on va aller quelque part écouter les émotions qui ont été bloquées dans la lignée, et puis équilibrer ces émotions-là, comme on ira aussi les écouter et les équilibrer dans le présent et dans la vie de la personne qui vient en consultation. Mais il faudra aller écouter et transmuter toutes ces émotions à tous les niveaux pour que voilà, la personne soit complètement débarrassée du problème. Oui. Et bon, là, il puisse... alors, ce qui n'a pas été vécu n'a pas été vécu. Donc, ça veut dire que rien ne m'empêche de le faire, mais il faut le faire. Si on n'a pas appris à communiquer et à dire à notre père qu'on l'aime, eh ben, il va falloir apprendre à le faire. Et ça aussi, on peut l'accompagner en kinésio. On peut faire tellement de choses. Et tout à l'heure, tu parlais des enfants.
Alors moi, j'étais vraiment surprise, tu nous en parles régulièrement des enfants, mais de voir que ça marche super bien avec les enfants et que c'est une vraie aide pour eux. Et souvent, tu nous racontes un petit peu, tu nous donnes des exemples et comme quoi ça fonctionne bien, ça aide aussi les parents. C'est toujours étonnant les exemples que tu donnes. Les enfants, ils sont hyper réceptifs en fait à ça. Oui. les enfants, c'est des inconscients sur pattes. C'est-à-dire que ils captent en fait ce qui se passe autour d'eux, mais ils le captent sensoriellement et ils posent un regard. C'est comme si ils voyaient des choses qu'on ne sait plus voir. Et notamment dans la manière que moi j'ai travaillé avec les enfants, je travaille beaucoup avec les systèmes. C'est-à-dire, je reçois quasiment jamais un enfant seul. Je le reçois toujours avec son père, sa mère ou les deux des fois. Ou des fois même il y a les frères et sœurs qui sont là. Mais moi j'aime bien parce que en médecine chinoise, la définition de la santé, c'est être en harmonie dans son environnement, donc dans son système. Eh bien, bien souvent, les difficultés que va rencontrer l'enfant, ce sera parce qu'il y a quelque chose qui le gêne dans son système. Donc moi, j'aime bien qu'il me donne à voir son système. Et alors, c'est presque plus facile avec les enfants parce que des fois, avant même qu'on ait commencé à pratiquer le test musculaire, ils nous ont déjà apporté plein d'éléments de par leur manière de se comporter avec leur père, avec leur mère ou même dans l'espace. Est-ce qu'ils vont se diriger vers un jouet? Est-ce qu'ils vont aller se cacher derrière une chaise? Est-ce qu'ils vont explorer? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de rester collés contre papa ou contre maman parce que y a de la peur de l'inconnu? Ou alors, est-ce qu'ils vont naturellement s'approcher de moi et puis venir visiter et puis presque s'installer à ma place ou sur mes genoux ou, voilà, ça dit déjà beaucoup de choses parce qu'ils ont cette manière naturelle d'être que bah, nous, on est beaucoup plus policés et on est beaucoup plus dans le respect des conventions sociales. Donc, notre corps, il en dit moins. Mais le corps de l'enfant, il est libre. Et c'est une autre manière d'écouter le corps. Donc, oui, ça, voilà, c'est une manière qui est un petit peu modifiée, en tout cas pour moi, mais je dis pas que tout le monde travaille comme moi avec les enfants. Hein. Mais ce qui est intéressant dans le travail avec les enfants, c'est que bien souvent, non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne plus vite. C'est-à-dire une fois que l'émotion elle est levée et que le problème il a été abordé, il n'y a pas, vous savez, la petite bicyclette là qui va tourner, qui va aller rechercher le problème et le remettre là où il était. Les enfants, ils font pas ça. Une fois que c'est réglé, on passe à autre chose, on avance, on continue à vivre, on va jouer, on va apprendre. Tu veux dire que nous, on fait ça? Nous, les adultes, on fait ça? Non. Pas tous, pas toi, Muriel, mais certains, dont moi d'ailleurs, hein, dont moi. Hein. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir une douleur, t'as mal quelque part, d'un seul coup tu penses à autre chose, t'y penses plus, t'as plus mal. Tu dis c'est dingue, j'ai plus mal. Tu repenses à ta douleur, tu te remets à avoir mal. Oui, oui. Et oui, oui. Mais on sait faire ça très bien. Ah oui. Ah, on est un peu les maîtres de ce domaine-là, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est aussi très créateur de ce qu'on vit, oui. Même sensoriellement. Mm. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, ça joue un peu contre nous dans cet exemple-là, mais ça peut aussi jouer pour nous. C'est-à-dire que on peut aussi utiliser ce principe-là pour ne plus avoir mal. Eh oui. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Emmanuel, le temps passe. J'aurais bien voulu qu'on montre, qu'on fasse une petite démo sur ce test musculaire. Est-ce que tu peux demander à ta gentille participante de venir avec nous? Ah oui, mais attends, mais tu sais, mais j'ai pas du tout vu le temps passer, moi. Non, mais on pourrait parler comme ça pendant des heures. Hein. Je vais demander à notre petit cobaye de venir nous voir. Voilà. Hop. Je vais la chercher, j'arrive tout de suite. Donc, on va mettre les petits masques, les petits gels et tout ça, tout ça. Ça marche. Alors, du coup, je vais déplacer un petit peu, puis je vais vous montrer ça, le test un petit peu debout. Alors, je ne sais pas si c'est bien placé, mais bon, je vérifierai ça. Et pour répondre aux questions d'Evelyne et d'Alexandra, donc pour aider un enfant qui est né après plusieurs fausses couches, oui, très certainement que ça peut aider l'enfant. Et absolument. Et c'est un sujet qui sort très, très souvent en consultation. Voilà. Viens me voir là, Inès. Je vous présente Inès. Bonjour, Inès. Merci d'être là. Merci de me permettre d'être là avec vous. Merci. Bon, tu l'entends pas, mais en fait, nous, on fait des applaudissements et on fait une hola comme ça. En langue des signes. Bravo. En langue des signes, c'est ça, on fait ça.
Donc, qu'est-ce que tu veux voir? Alors, que tu nous montres un petit peu le test musculaire. Il y a effectivement les pré-tests que vous faites avant chaque séance pour voir si on est bien... si on est bien prêt à faire la séance. Et juste peut-être pour que les gens se rendent compte de ce que c'est que ce test musculaire dont on parle beaucoup. Juste pour qu'ils voient physiquement ce que c'est. Ok, écoute. Donc là, le test que je pourrais tester parce qu'il est facile à voir, c'est le deltoïde antérieur, qui est un petit muscle qui se trouve là. Donc, la fonction de ce muscle-là, c'est de lever le bras en avant. Donc, je vais vérifier déjà, premier pré-test, qu'il fait bien son travail. Tu maintiens ton bras. Voilà, je rapproche les fibres et là, j'ai un test qui lâche. J'écarte les fibres et là, j'ai un test qui tient. Je peux recommencer, je rapproche, ça lâche, j'écarte, ça tient. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie que le test musculaire, il est bien, que le muscle, il est bien connecté à l'unité centrale, que les muscles discutent bien par le réseau neurologique sensitif avec le cerveau. Et est-ce que là, tu as posé une question ou est-ce que... En fait, oui, j'ai posé une question, mais j'ai posé une question au corps. C'est-à-dire, j'ai rajouté de la contraction musculaire sur un muscle déjà en travail, donc déjà contracté, pour vérifier que l'autorégulation du cerveau, qui va dire « Oh là là, c'est trop contracté, j'envoie de la décontraction », fonctionne. D'accord. Donc, j'envoie sur un muscle qui est trop décontracté, j'envoie une information de décontraction pour vérifier que le cerveau il va bien envoyer une régulation de contraction. D'accord. Et quand voilà. Tu fais le... Donc, en fait, toi, tu appuies juste à peu près à ce niveau-là, à peu près, et tu n'appuies pas fort, en fait. C'est pas... Pas très fort. Voilà. Tu vois, j'appuie entre 20 et puis 400 grammes. Tu vois, si je devais te montrer la pression, je dirais que si je prends une feuille de papier, c'est la pression qu'il faut pour maintenir la feuille comme ça, tu vois. Ah, ok. D'accord. C'est tout doux. C'est pas fort du tout. Alors, on peut le faire fort, hein, mais tu vois, le test des kinésithérapeutes, c'est un test de force. Nous, c'est pas un test de force, c'est un test où on va tester le verrouillage. Est-ce que ça verrouille ou pas? On n'y va pas du tout en force. C'est une information. Et c'est pour ça que, du coup, ce test musculaire en formation, on en reparlera tout à l'heure, mais vous y passez beaucoup de temps parce que finalement, c'est hyper important d'apprendre à bien le faire et que c'est pas forcément... Quand on te voit le faire et quand on est en séance, on a l'impression que c'est tout simple. On se dit, oh là là, donc quelle arnaque ce truc. Hop, ils font ça et ça marche. Puis quand on essaye de le faire un petit peu, tiens, hein, ça demande vraiment une pratique. C'est hyper subtil en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est hyper subtil. C'est comme un instrument de musique. C'est ça. Ça paraît simple et puis en fait, c'est pas très compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est de le faire bien. C'est ça. C'est ça. C'est pas compliqué de faire vibrer une corde de violon. Ce qui est compliqué, c'est de le faire bien. C'est ça. Quelle belle image. Donc, je pourrais tester, autre pré-test. Hop, petit check. J'étalonne, je pourrais tester l'hydratation. Tu vois, je tire une mèche de cheveux et je teste. Oh ! Et là, j'ai pas assez d'hydratation. Donc, bah voilà, en direct, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit verre d'eau pour pouvoir continuer à la tester. Et oui, parce que, en fait, avant de commencer les séances, avant d'entrer vraiment dans le vif de la séance, en fait, vous faites une série de pré-tests comme ça prend vraiment quelques minutes, c'est très rapide, pour être bien sûr que tout le monde est bien en place dans le corps et pour ensuite vraiment aller chercher l'info. Donc là, ce que tu nous montres, en fait, c'est ce que vous faites à chaque fois qu'on arrive en séance. Voilà, vous vérifiez qu'on est bien en place et après, on peut travailler. Mais donc, ces tests-là sont par contre particulièrement importants. Ah ben oui, et ça doit être systématique parce que sinon... on a un test musculaire dont on n'est pas sûr de la fiabilité. C'est ça. Donc, voilà, moi, si je trouve ça important que, tu vois, avant de prendre l'avion, on vérifie que tout est bien branché. Quoi. Là, c'est pareil. Si jamais, nous, on va s'appuyer sur le test musculaire de la première minute de séance à la dernière. Donc, ce test, il soit fiable. Donc ça, tous les kinésiologues, bah, c'est les premières choses qu'on apprend au premier stage de kinésio. Donc là, je retire ma mèche de cheveux et cette fois j'ai un test fort. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir tester aussi la capacité du corps à accepter des polarités. Et là, ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir tester aussi le champ énergétique. C'est-à-dire, s'il se passe des choses autour de moi, est-ce que je le sens? Voilà. Ok, très bien. Et puis, la dernière chose que je peux tester, c'est la manière dont le cerveau droit parle avec le cerveau gauche, on en parlait tout à l'heure. Donc, ici, hop, on a deux tests forts. Donc,
Tu regardes mes mains. On a un test faible sur les parallèles et on a un test fort sur les mains qui se croisent, donc le point de rencontre. Ça veut dire que je n'ai pas de difficulté à faire marcher ensemble mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Par contre, l'un séparément de l'autre, c'est compliqué. C'est marrant, ce n'est pas un casse-standard, mais c'est bien. Du coup, on peut continuer parce que c'est bien branché. Voilà. Et après, ce que je te propose de faire, c'est peut-être peut-être d'aller voir s'il y a un petit stress pour Inès qu'elle aimerait travailler. Et puis moi, je peux aller voir si je vais pas faire une séance, hein, mais je pourrais voir s'il y a une petite émotion qui est en lien avec ce stress pour vous aider à comprendre comment ça marche. Alors, juste une question par rapport au pré-test. Là, c'est vrai que tu as fait un rééquilibrage sur l'hydratation, donc c'est super. Après, il peut y avoir des rééquilibrages sur les autres pré-tests. Là, Inès n'en avait pas besoin, donc tant mieux. Et juste Alexandra qui dit, juste avec un verre d'eau, ça y est, elle est réhydratée. Est-ce que c'est vraiment ça? Bah, c'est vraiment ça, mais l'histoire ne dit pas combien de temps. D'accord. Ok. Bah oui, si jamais elle a besoin de boire un litre d'eau parce qu'elle n'a pas bu de la journée, eh ben, il est possible que dans 5 minutes, le test ne soit pas fiable. Et à ce moment-là, on n'aura plus de oui et de non. Donc, on va revérifier les pré-tests et on retombera sur ce pré-test-là. Il faudra revoir un verre d'eau. Et ça arrive hein, dans une séance de kinésio. D'accord. Okay. Là, 2, 3, 4 verres d'eau. Et ça arrive souvent dans une séance. Pourquoi? Parce que quand on vient travailler sur les émotions, les émotions sont un gros consommateur d'eau. Quand on a des émotions fortes, on devrait toujours boire un verre d'eau. On devrait respirer et boire de l'eau. C'est vrai. On continue? Clac, clac. Allez. Bon. Merci Inès. Hein. Non, je te mets pas la pression, mais on est des millions à te regarder. Non, je ne pense pas. Donc, est-ce que tu aurais un petit truc à nous mettre sous la dent? Une petite douleur, un petit stress, un petit inconfort, que je puisse aller regarder. Bah oui, tiens, le petit stress là, d'être là devant quelques personnes et voilà. Ok, et bah, c'est très bien ça. C'était pour ça que ça manquait un petit peu d'eau. Bah oui. Alors, et ben voilà. Je pose la question, est-ce que je peux aller travailler là-dessus? Est-ce que j'ai l'autorisation d'aller traiter ça? La réponse, c'est oui. Est-ce que j'ai des raisons d'en douter? Non. Ok. Bon, super. Bon, écoute, on y va. Un des baromètres qu'on utilise en kinésiologie, c'est-à-dire le baromètre du comportement. Oui, ça tombe bien. Sinon, j'en avais d'autres à portée de la main. Mais je peux utiliser celui-là. Bon, je vais demander. Alors, est-ce que c'est dans les émotions du conscient? Est-ce que le stress qui est là, il résonne avec les émotions que nous, on a classées dans le baromètre du comportement dans le conscient? Oui. Ah, super. Premier, deuxième, troisième niveau. Ok, bien. Alors, troisième niveau, je vais avoir une émotion plutôt positive ou une émotion plutôt négative. Donc, on va aller voir laquelle on va aller chercher. Plutôt l'émotion qui génère plutôt du stress négatif. Bon. Et là, j'ai le choix entre 8 émotions, tu vois, dans mon baromètre du comportement. On est là, juste ici. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le choix entre 8 émotions. Je vais tester les numéros. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, là, tu nous montres, parce que pour nous expliquer, mais en fait, en séance, on sait pas ce que tu demandes. Donc, nous, on peut pas anticiper les réponses. On sait dans quelle direction tu vas, mais on ne sait pas où... on ne sait pas ce que tu demandes. Donc, c'est vraiment le corps qui parle. Quoi. C'est ça qui est chouette. C'est vrai. Et voilà l'émotion que je trouve pour Inès. Je trouve l'émotion. Est-ce que j'ai l'autorisation de la dire à haute voix déjà? Oui, je demande. Voilà. Hein. C'est pas très facile. Oui, l'émotion que je trouve, est-ce que je peux la dire à haute voix? Oui. Dans le ressentiment, je me sens inappréciée. Et là, je teste. Je dis l'émotion et je teste pour voir si vraiment... Ça génère du stress, c'est ma manière de vérifier. Et oui, ça génère du stress. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais faire une équilibration ou est-ce que je vais aller chercher des informations par rapport à ça? Le test, il va me le dire. Hein, il peut me dire, arrête-toi là, fais une équilibration. Et je m'arrête. Mais moi, je veux savoir, je veux faire le mieux pour elle et son écologie personnelle me le dit. Est-ce que je peux aller chercher une petite info par rapport à ça? Oui. D'accord.
Et donc, je dis, mais sur quoi alors? Sur ressentiment ou sur inapprécié? Ressentiment inapprécié. Ok. Alors là, et je teste, là, je propose. Inapprécié par rapport à quoi? Parce que Inès, elle m'a dit, c'est par rapport au fait d'être là devant vous et de tester et d'être testée. Donc, ok, donc je vais tester ça parce que moi, je ne sais pas. Mon job à moi, c'est de poser des questions. Est-ce que c'est par rapport au fait d'être vu? Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait de se sentir inapprécié et d'être vu? La réponse est non. Est-ce que ça pourrait être par rapport au fait d'être entendu? Ben oui, si je lui pose des questions et qu'elle répond, est-ce que ça peut être par rapport au fait d'être entendu? Là, j'ai un test fort. Ça veut dire oui dans ma convention de test. Donc, voilà, c'est comme si ici, j'ai peur d'être inapprécié par rapport au fait d'être entendu et qu'ensuite, avec le ressentiment, on m'en veuille. Ok, mais j'ai pas envie qu'on m'en veuille, comme quand on... Je sais pas, moi... Est-ce que je dois trouver un exemple? Non. Tiens, est-ce que je pourrais proposer à Inès de me donner un exemple par rapport à ça? Est-ce que ça a pu t'arriver des fois, toi, de... Est-ce que tu vois une situation comme ça, que tu as vécu ou pas d'ailleurs, où bah, on nous met en avant, on nous demande de faire quelque chose et on dit une bêtise devant tout le monde, ou on a peur en tout cas qu'on nous déprécie? Oui, bah, moi ça m'arrive assez souvent en fait quand j'exprime ce que je ressens ou ce que je pense, j'ai peur du jugement des autres. J'ai peur que ça crée, je sais pas, un débat, un conflit, voilà, c'est quelque chose qui est présent chez moi. Ok, voilà. Là, vous voyez, pendant qu'elle me parle, je teste et le bras, il tient plus. Ça veut dire que oui, là, branché sur un stress, parce qu'elle pourrait me parler d'un truc qui ne la stresse pas, mais moi, là, je sais que ça la stresse. Ok, bon, est-ce que je dois aller chercher plus d'informations par rapport à ça? Non, ce n'est pas la peine. Donc maintenant, est-ce que je peux équilibrer? Oui, ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais diffuser cette émotion, ce qu'on fait en général? Mais je pourrais aller faire une autre équilibration, comme, je ne sais pas moi, je pourrais aller tapoter le thymus, par exemple, ou je pourrais faire une équilibration en santé par le toucher. On a le choix entre 500 équilibrations, mais on ne va pas aller faire les 500 ce soir, hein, bien sûr. Inès n'a pas besoin des 500 équilibrations, surtout. Non, exactement. Normalement. Non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu vas aller chercher les équilibrations, mais c'est pareil, vous avez des tableaux, vous avez des feuillets, c'est pas on cherche comme ça n'importe où, quoi. C'est on demande, on pose des questions et puis on enquête et finalement, on arrive à la bonne solution. Ouais, on a des listes et on propose ces listes au test musculaire et le test, il nous dit c'est telle équilibration dans tel module ou dans tel mode parce qu'on classe les équilibrations par mode et on arrive pile à là où les équilibrations dont le corps a besoin. Du coup, je vais faire l'équilibration oui, pour Inès, bah oui. À la gentillesse d'être là pour nous. Bah bien sûr. Donc, je vais vous demander de prendre un contact fronto-occipital. Voilà, tu vas regarder mes doigts. Tu vas baisser un petit peu ta tête, la garder bien droite. Il n'y a que tes yeux qui bougent. Voilà, tu regardes mes doigts. Tu inspires et tu expires tranquillement. Et tu vas me dire la phrase. Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Voilà. Et tu peux penser à toutes ces situations où tu t'es senti inapprécié lorsque tu as pris la parole ou lorsque tu as eu peur d'être inapprécié en prenant la parole. Parce que l'émotion était là, même si ça n'a pas eu lieu. Tu me redis la phrase ? Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Donc là, je dessine des 8 qui remontent toujours au niveau du nez. J'emmène son regard, j'étire son regard au maximum d'amplitude où elle peut aller. Et puis, je dessine aussi des cercles pour vraiment balayer tout son champ visuel. Et tu me redis encore une fois. Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Ok, tu vas prendre une grande inspiration et tu expires. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vérifier. Est-ce qu'on a toujours du stress ou pas sur cette phrase? Tu maintiens ton bras et tu vas me dire la phrase. Dans le ressentiment, je me sens inapprécié. Ok, là vraiment, je pourrais y aller très fort, le bras qui me tient. Voilà, donc on a levé
un stress en faisant une équilibration et en allant chercher qu'est-ce qui est en lien avec ce stress-là par rapport à son passé. Tu vois, c'est facile. Et Inès, tu te sens comment ? Mieux. J'ai ressenti vraiment, je me suis dans mes pieds, je suis bien. Là, voilà, je me sens mieux de vous parler, là. Voilà. C'est super, c'est super. Écoute, bah en tout cas, merci d'avoir montré. Et donc, on est d'accord, là, on l'a fait debout parce que c'était plus simple de le faire debout, mais normalement, on est allongé sur une table de massage. On est évidemment habillé, mais on est allongé et tu te sers en général du bras comme ça. Mais nous, on peut dormir un peu, en fait, comme ça. En consultation, on peut être effectivement la plupart du temps allongé, mais des fois, il y a des séances où on peut être debout aussi. Parce que tu vois, quand les équilibrations, ça va être avec les enfants, par exemple, les enfants, je les fais pas ou très peu allongés. Oui. Et là, quand on va poser longtemps des questions, ce sera plus facile d'être allongé et on testera à ce moment-là, tu vois, un brachial antérieur. Mais sinon, pour faire des équilibrations, tu vois, de brain gym, eh ben, on va devoir être debout. Parce que ça se fait debout, ou alors pour faire des équilibrations de réflexes archaïques, on va aller prendre des repères au niveau de la colonne vertébrale du pas, et donc bah là la personne elle est bien souvent en mouvement, donc on peut aussi tester les muscles, tu vois, on peut les tester debout, assis, couché, et en fonction des besoins de la séance, bah on va pouvoir être debout ou assis ou couché, mais des fois on passe une séance où on est beaucoup plus debout que assis. D'accord, ok. De la manière particulière de travailler du kinésiologue. Et oui, bah oui. D'accord. Inès, on va te remercier, on va te libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais des cœurs comme ça. Ouh, on te fait tous des cœurs. On te fait tous comme ça. Waouh, waouh. Merci vraiment beaucoup, hein. C'est très gentil. Merci à toi. Voilà. Hop. On va changer de côté. Ah, on va changer de côté. Ouais, du coup, tu peux enlever ton masque. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ben, merci pour cette démonstration. Et alors, là, il y a quelques questions de nos auditeurs, mais avant ça, donc là, Inès, elle est en formation en ce moment ? Ouais, elle est en formation. Voilà, parce que donc toi, donc t'es kinésiologue, mais surtout, tu as monté une école de kinésiologie pour former les gens à devenir de super bons kinésiologues. Et donc, tu proposes des cursus de formation. Et donc là, Inès est en train de suivre l'un des cursus. Oui, le module Anatomie 1 a démarré ce matin. C'est pas moi qui l'anime, c'est Cyril Hutter qui est kinésithérapeute qui anime ce module-là où il va y avoir de l'anatomie palpatoire. C'est-à-dire que on va regarder sur les livres, les muscles, les os et puis on va venir les sentir et apprendre à les repérer dans le corps. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta formation pour les personnes qui éventuellement pourraient être intéressées ? Est-ce que, en quelques mots, dire combien de temps ça prend, à qui ça s'adresse, est-ce que tout le monde peut la faire, est-ce qu'il faut déjà être thérapeute dans un domaine avant de venir, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires, comment ça se passe ? Imagine demain, moi, je vais devenir kinésiologue. J'ai retenu tes 7 questions. Je vais les prendre une par une. Donc, elles étaient toutes excellentes. Donc, la formation, elle dure 2 ans. Et il faut suivre 600 heures de formation, ce qui correspond à peu près à 90 jours, on va dire. Et donc, c'est une formation qui est modulaire. Donc, en général, en moyenne, ça fait 4 jours de formation par mois, sachant qu'il y a un peu plus de la moitié, 350 heures sont des modules de base, comme les modules dont on a parlé tout à l'heure, finalement, les branches de la kinésiologie, médecine chinoise, santé par le toucher. Ça va faire un tiers. Ensuite, on va avoir tous les modules émotionnels liés au corps, parce que les émotions, elles sont en lien avec le corps et le corps, il est en lien avec les émotions. Ensuite, il va y avoir les modules de Brain Gym. Donc ça, c'est les modules de base, le socle de la kinésiologie, c'est en général ce qu'on fait dans toutes les écoles de kinésio. Et puis ensuite, il va y avoir les modules avancés que là, les gens vont pouvoir choisir en fonction de leur sensibilité ou de leur désir particulier, que ce soit la kinésiologie énergétique ou que ce soit les réflexes archaïques ou l'épigénétique. Alors, je me demandais juste sur les noms. Réflexes archaïques et épigénétique, c'est quoi exactement ? Parce que moi, ça veut dire des choses dans ma tête, mais en vrai, ça veut dire quoi ? Alors,
En général, alors pour cette raison-là, parce que ta question, elle est très bonne, mais il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est des prérequis, mais j'y reviendrai. J'ai mis des fiches. On a mis avec Delphine de Courville des fiches programmes pour décrire chaque module de formation pour pouvoir choisir. Donc, qui décrivent quelles sont les compétences, quelles sont les techniques abordées dans chaque module de formation. Donc, pour répondre à ta question, les réflexes archaïques, c'est les premières connexions qui nous permettent de bouger, d'interagir, de manger, de courir, d'ouvrir les bras, de se déplacer et d'apprendre aussi, de découvrir le monde. Et donc, ces connexions, elles sont amenées à se transformer et à maturer. Parce que au départ, on marche en automatique. Bah, celui qui est le plus connu, d'ailleurs, c'est la marche automatique. Le bébé, quand il vient de naître, Si tu le poses, tu le prends par les bras et tu poses ses pieds sur la table, il va enclencher la marche automatique. Ce qu'il ne saura plus faire quelques mois après, et il lui faudra un an à un an et demi pour apprendre à marcher de manière volontaire. Tu vois, les réflexes archaïques, c'est ce que ton corps sait faire sans que toi, tu saches le faire volontairement. Et des fois, quand ces réflexes archaïques s'intègrent mal, ça crée des difficultés. Au niveau des mouvements, au niveau mais aussi au niveau des apprentissages, parce que quelqu'un qui a mal fait le quatre pattes, il a mal appris à son cerveau à faire travailler ensemble hémisphère droit et hémisphère gauche, et donc il a mal après il aura du mal à en même temps écrire ou en même temps comprendre ce qu'il écrit, tu vois. Mais ça peut être aussi les réflexes archaïques, tu vois, de la succion ou de la déglutition. Et ben si j'ai un problème au niveau de la déglutition, ben souvent je vais avaler de travers. Et si j'ai un problème au niveau de la succion, je vais avoir la tétine. Ce qui est d'ailleurs un des motifs de consultation hein, pour les petits. Voilà, il aimerait maintenant lâcher la tétine, mais il n'y arrive pas, quoi. Il en a besoin et il s'endort pas sans. Eh ben, il y a probablement un truc à faire par rapport au réflexe archaïque de la succion. Mm-hmm. L'épigénétique, c'est vraiment la mise en lien de toutes les réactions émotions avec tous les comportements biologiques du corps et comment est-ce que ce qu'on a vécu peut être positif pour le corps ou pas. Et comment est-ce que parfois certains aliments peuvent mettre en dysfonctionnement le corps, ou comment est-ce que le corps par rapport à son fonctionnement, même si même si vous ingérez plein de calcium, le corps ne va pas l'assimiler. Et ben ça, l'épigénétique, c'est-à-dire non pas ce qui est décrit comme programme dans ta génétique, mais ce qui est autour de ton gène, c'est-à-dire l'environnement, va faire en sorte que c'est ce comportement-là qui va être déclenché dans ton corps. Alors que dans ton ADN, il y a peut-être 10 comportements possibles. Eh ben, l'épigénétique, c'est l'environnement qui va appuyer sur le bouton et qui va dire, c'est cette séquence-là de l'ADN qui va s'exprimer. Okay. Que ce soit des comportements psychologiques, physiques, etc., allergiques. Ok. Et y a un module aussi qui s'appelle Métaphore. Oui, Métaphore, les muscles et leur univers. C'est toute la symbolique de la médecine chinoise en relation avec les muscles. D'accord. Par exemple, peut-être qu'un mouvement, il va être en lien avec un méridien d'acupuncture, et que ce méridien d'acupuncture, il va nous donner l'ambiance émotionnelle liée à ce mouvement-là qui est problématique chez la personne. Tu vois, l'ambiance du méridien du foie, ça va être le méridien du foie, il est dans l'élément feu. Le méridien du foie, il est dans l'élément bois. Et l'élément bois, c'est l'émotion connectée à l'élément bois, c'est la colère. Eh bien, il est possible que l'ambiance de ce que vit la personne là, dont le méridien foie est toujours en vide ou toujours en excès d'énergie, c'est peut-être parce qu'elle exprime ses colères, ou peut-être parce qu'elle n'exprime pas ses colères et qu'elle les ravale justement. Mmh. Et ça va générer quelque chose. Et ben, les métaphores, c'est l'art de mettre en lien ce qui se passe d'une manière visible chez la personne avec ce qui est invisible et qu'on ne voit pas, mais qui va permettre de modifier ce qui est visible. C'est clair ou pas ? Oui,
Oui, non, mais c'est très clair. C'est très clair. Du coup, tu vois, je suis sûre que nos auditeurs sont comme moi à se dire, alors attends, j'ai mal là, il y a un muscle ici, qu'est-ce que ça veut dire, où est le rapport, ou qu'est-ce que. Oui, ça veut dire. Hein. Et les métaphores, ça permet de voir ces raccourcis, d'apprendre à connaître et à décrypter ces raccourcis. Et alors justement, là, il y a des questions. Il y a Christine qui demande, est-ce qu'on peut soigner des personnes, enfin aider des personnes qui ont des acouphènes, et avec quel module? Quel module il faudrait faire pour. C'est difficile de répondre à cette question parce que, alors, la première question, c'est oui, et c'est des choses qu'on pratique en kinésiologie. Mais voilà, je peux dire que c'est des choses qu'on prend en compte, mais est-ce que ça veut dire que ça fonctionne à chaque fois? Ben, ça dépend. Ça dépend des raisons qui font que la personne a des acouphènes. Si c'est en lien avec des interférences qui sont créées par des métaux lourds, qui ont été utilisés pour plomber des dents, là, la kinésio, ça va pas suffire. Il va falloir enlever les interférences électromagnétiques qui sont créées. Et là, c'est pas un kinésiologue qui va faire ça. En revanche, si c'est en lien avec des tensions au niveau de la mâchoire qui vont avoir une répercussion sur le fonctionnement de l'oreille interne et qui vont créer une espèce de souffle, là, si on travaille sur les stress en lien avec l'articulation temporomandibulaire, tu vois où j'ai mes mains là, comme ça, tu vois, là, il creux et ça bouge. Voilà. Et ben cette articulation-là, par rapport aux choses que j'ai dites ou par rapport aux choses que j'ai pas dites ou par rapport même des fois aux choses que j'ai entendues, mais aussi par rapport à toutes les tensions que j'ai engrammées dans mon corps, si on va travailler sur l'articulation temporomandibulaire et libérer les tensions, il est possible que ça libère les tensions des muscles qui vont générer les acouphènes et que la personne n'en ait plus ou en ait beaucoup moins. Souvent, j'ai rarement, moi, vu des. Quand j'ai travaillé là-dessus, des acouphènes qui disparaissent du jour au lendemain. C'est arrivé, mais c'est rare. En revanche, oui, graduellement. C'est comme si la personne avait besoin de réapprendre à entendre, mais graduellement, progressivement. Mmh. OK. Et Céline qui demande, est-ce qu'on peut faire tous les modules? Non, pas forcément. Oui, bien sûr, on peut faire tous les modules, mais l'idée, c'est que pour devenir kinésiologue, il faut faire au moins 600 heures. Après, moi, je conseille pas de faire spécifiquement les 6 modules, tous les modules d'un coup. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est quand même de pratiquer, de faire du bien autour de soi. Et moi, je conseille souvent aux stagiaires de faire les 600 heures. Déjà, au bout des 300 heures, ils font des séances sur des cobayes. Et donc, ça nous permet de les accompagner. Et puis ensuite, quand ils ont leur certification, ils s'installent, ils ouvrent leur cabinet, ils développent leur clientèle. Et là, ils peuvent revenir faire certains modules qu'ils n'ont pas fait, notamment les modules spécifiques qui font pas partie ou les modules avancés qu'ils n'avaient pas choisis. Et à ce moment-là, nous, ça nous permet de faire une supervision par rapport aux séances qu'ils font en cabinet, aux problématiques qu'ils rencontrent, aux questions qu'ils se posent. Et c'est important, la supervision et l'accompagnement. Je trouve que c'est très important de continuer à être accompagné au moins dans les 2 premières années où on est kinésiologue. Parce que sinon, on se retrouve tout seul en cabinet et il n'y a personne pour répondre à nos questions, quoi. Et moi, c'est souvent que les gens m'envoient des mails, ils me disent, voilà, là, dans un cas comme ça, je fais quoi? Et c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il y en a besoin d'une supervision et d'un accompagnement. Parce que des questions, et c'est normal, quand on travaille, il y en a plein qui vont. Et c'est tellement rassurant d'avoir quelqu'un qui nous dit, bah tiens, peut-être là, tu pourrais tester ça, là, peut-être cette équilibration-là, là, tiens, est-ce que tu as vérifié ça? Parce que notre job, c'est de poser des questions. Et des fois, quand on n'a pas la question, si on discute avec quelqu'un qui a l'habitude, peut-être regarde ça. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça, j'ai voir ça. OK. Oui, donc ça veut dire que tous tes élèves et qui deviennent ensuite kinésiologues, voilà, ils sont supervisés pendant 2 ans. C'est l'idée. Moi, je préfère cette formule-là qu'une personne qui dirait non, mais je commencerai pas à pratiquer en cabinet tant que j'aurai pas tout fait. Non, moi, j'aime bien que la personne, déjà au bout de 300 heures, 350 heures, les stagiaires, ils savent faire déjà des jolies séances. Donc, ils commencent. Et déjà, des fois même, ils disent, voilà, moi, je prends, tu fais un gâteau et je fais une séance, ou tu me fais, je suis pas encore certifiée. Donc, écoute, voilà, je vais te demander 10 euros pour cette séance. Et c'est bien qu'il y ait un échange.
Et puis au moins, il note, de toute façon, c'est ce qu'on demande, mais on demande au moins 50 séances documentées. Mais des fois, ils en font plus et c'est bien. Plus il y en a, c'est comme ça qu'on apprend le job. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques dans la formation. Et moi, je pousse beaucoup à ça. Donc déjà, là, on les accompagne. Mais après, ça c'est avec des personnes, tu vois, qui sont cobayes, qu'on connaît. Mais après, quand tu es dans le cabinet, c'est la vraie vie, quoi. Donc, c'est aussi vachement de bien d'avoir une personne qui peut des fois simplement confirmer que oui, ce que tu as fait, c'est OK, c'est du bon travail et j'aurais fait la même chose ou je me serais posé les mêmes questions. Et voilà, c'est bien. Des fois, on a simplement besoin d'une confirmation que tout va bien, tu as fait un bon job. Oui. Bah oui, c'est important. Hein. C'est important, surtout quand on débute. Après, quand on est un peu plus aguerri, on a un peu plus l'habitude. Donc, on sait un peu mieux trouver nos repères et aller voir quelqu'un quand vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai que quand on débute, peut-être qu'on se pose plus de questions. Donc, c'est vrai, ou plus souvent en tout cas. Donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui peut te confirmer que ce que tu as fait est juste, bah, c'est chouette. Oui, parce que des fois, ils ont c'est marrant d'ailleurs, parce que des fois, ils ont des bons résultats. La personne leur dit, mais je me sens super bien, ça va vraiment mieux, mon problème est résolu. Et ils doutent encore qu'ils ont fait du bon travail. Là. Qu'est-ce qu'il faut ? Ça marche, ça marche. C'est ça. Arrête de réfléchir, ça marche, c'est bon. Et hop, personne suivante. Voilà. Et on est d'accord, alors, il y a Françoise qui demande si c'est une technique qui peut se pratiquer à distance. Eh bien, puisqu'on peut travailler en transfert, on pourrait dire que oui. Et moi, je suis pas tellement pour, parce que quand on va écouter et traiter des émotions, je trouve ça très délicat d'être, tu vois, quand on est à 500 km de la personne et elle est toute seule pour gérer cette émotion-là. Il y a vraiment dans ce métier-là, je dirais techniquement oui, mais par rapport à l'accompagnement et l'empathie. Je trouve pas ça très très éthique. Voilà, pour moi, tu vois, si je prends quand je reçois des séances en kinésio, moi je préfère vraiment le contact direct parce que attends, au moment où il y a une émotion hyper difficile à avaler qui va ressortir, je trouve ça vraiment chouette d'avoir quelqu'un à mes côtés quoi. OK. Tu vois Céline qui dit c'est comment ? Non, je dis c'est un métier d'accompagnement. Ben oui. Céline qui dit, alors en réaction à ce que tu disais sur l'accompagnement des jeunes kinésiologues, entre guillemets, c'est génial de pouvoir être accompagné comme ça. Et tout à l'heure, vous parlez, pardon, je t'ai coupé la parole, Rodi. Je disais, c'est important parce que c'est ça qui donne la confiance. Parce que la confiance, elle peut se perdre vite, quoi, hein, quand il y a des fois où je ne comprends pas ou quand il y a des. Donc il y a besoin de cette réassurance. Après, voilà, plus on pratique et moins il y en a besoin. Mais puis, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont beaucoup plus besoin d'être assurés que d'autres. Et donc, voilà, moi, je dois être là pour répondre aux demandes de tous les profils. D'accord. Et donc, on parlait des prérequis. Est-ce que si quelqu'un veut devenir kinésiologue, est-ce que, y a un profil type où tout le monde peut vouloir devenir kinésiologue ? Alors, il n'y a pas tellement de profils types parce que là, tu vois, on a des gens qui sont chefs de projet en logistique ou des gens qui sont ATSEM ou des gens qui sont demandeurs d'emploi ou qui viennent du monde de la... certains qui sont, tu vois, assistantes ou dentistes. Donc, vraiment, tous les profils sont possibles. Et puis, les prérequis, au niveau des diplômes, il n'y en a pas de prérequis. Mais moi, ce qui va constituer le prérequis, c'est l'entretien téléphonique qu'on va avoir. Et puis, le plus souvent, c'est le premier stage auquel les personnes viennent assister. Ou des fois, ça peut être la personne qui vient assister à 2 ou 3 heures de cours pour qu'on puisse se rencontrer et discuter. Tu vois, on a un entretien en face à face. Et parce que moi, je vais assez vite me rendre compte s'il y a un gros souci ou... mais la majorité du temps, je crois que tu vois, ça fait 15 ans, 16 ans que je suis formatrice. Je crois que ça a dû m'arriver deux fois qu'une personne ne puisse vraiment pas continuer la formation parce que il n'y avait pas un état stable. Et puis des fois, c'est pas une question de, tu vois, de possibilité. C'est rarement le cas, mais il faut que ce soit le bon moment.
Tu vois, donc ça, c'est arrivé, ça peut arriver que la personne, elle interrompe momentanément sa formation parce que, bah, parce qu'il y a une épreuve de vie qui se présente, quoi. Mmh, ouais. Bah voilà, il faut faire ça au bon moment. C'est une belle aventure, la formation en kinésio, donc il faut vraiment en profiter, quoi. Donc, mieux vaut faire une pause et puis la reprendre après, ce qui pose vraiment aucun souci, plutôt que de suivre des modules sans les prendre complètement parce qu'on n'est pas bien. Mmh. Et puis, il y a aussi quelque chose, là, c'est peut-être plus matériel et financier, mais c'est important aussi. Est-ce que ça peut être pris en charge? Ça peut être financé? Alors, en tout cas, en théorie, c'est possible et en pratique, ça arrive. Ça dépend vraiment des cas de figure. Parce que si une personne, elle est, par exemple, indépendante, là, elle pourra faire appel à son... Et il n'y aura pas tellement de difficultés. Il faudra lui faire un devis, le programme de la formation, et elle pourra être financée à hauteur de, je ne sais pas moi, ses droits à formation, c'est-à-dire entre 900 et 2000, 4000 euros sur la formation. Ça, c'est pour la partie les indépendants. En revanche, pour les salariés, c'est un petit peu plus compliqué si c'est des salariés d'une grande entreprise et que le service des ressources humaines a la gentillesse de monter le dossier et de le présenter aux organismes financeurs, aux OPCO, ça peut fonctionner. Mais si en revanche on veut mobiliser son CPF via la plateforme informatique qui a été mise en place par la Caisse des dépôts et consignations, c'est plus compliqué parce qu'il demande un numéro CPF que la kinésiologie n'a pas, en fait. Aucune école de kinésiologie aujourd'hui en France n'a, parce que pour ça, il faut déposer un dossier au niveau de France Compétences pour avoir un numéro RNCP, c'est-à-dire figurer au registre des formations professionnelles. Et c'est un projet qui est en cours, mais pour l'instant, aucune école de kinésiologie qui forme en 600 heures n'a ça. Donc, ça ne permet pas du coup de demander à mobiliser l'argent qu'on a sur son CPF par la plateforme informatique. Il faut passer par un interlocuteur d'un OPCO qui va défendre le dossier ou pas. Et puis après, la troisième manière de faire, bah, c'est de monter un dossier pour les demandeurs d'emploi, auprès de Pôle emploi. Donc, soit Pôle emploi, il peut dire, bah, écoutez, nous, c'est OK pour nous que vous fassiez cette formation. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher un emploi. On sait que vous êtes en formation pendant 2 ans et on vous verse vos allocations. Et puis, complément, ça peut être aussi, vous nous montrez que vous êtes motivé. Ça, c'est ce que dira Pôle emploi. Et vous allez nous faire un business plan. Vous allez nous faire une étude de marché. Vous allez faire une immersion. Dans une école, une journée ou dans un cabinet auprès d'un kinésiologue. Et si vraiment c'est ce qui vous plaît, à ce moment-là, on va faire une demande de financement. Et cette demande, elle sera acceptée ou pas. Mmh. Et déjà, elle est acceptée. Mais Pôle emploi demande toujours que vraiment ce soit une reconversion professionnelle et que la personne soit motivée, ce qui est normal. Bah oui. Il est normal que si Pôle emploi elle consacre de l'argent à un demandeur d'emploi, elle veuille que ce soit pour un réel retour à l'emploi. Donc, il y aura à fournir de l'énergie pour montrer que c'est vraiment ça qu'on veut faire et que vraiment, on veut en faire un métier. Oui, donc il y a des pistes et on peut être aidé pour le financement. Oui, il y a des pistes. Et puis, pour les indépendants, c'est beaucoup plus facile et pour les salariés, c'est un petit peu plus compliqué, mais parfois, ça fonctionne très bien. Où est-ce qu'elles ont lieu, ces formations? Où est-ce qu'on apprend tout ça? Alors, ces formations, aujourd'hui, elles ont lieu, et ça fait pas très longtemps, elles ont lieu dans 6 endroits en France. Puisque avec Delphine de Courville, on a commencé l'aventure ensemble, hein, et on a décidé de monter, une antenne à Thonon-les-Bains, et moi, une antenne en Ile-de-France, à Montreux. Et puis donc, on travaille la main dans la main. Depuis qu'on a démarré le projet. Et puis là, on a choisi de proposer des ouvertures d'antennes. On a fait d'abord des petits sondages pour savoir s'il y avait de l'intérêt pour ça. Et la réponse a été un grand oui. Donc, on a ouvert des antennes, me concernant, donc celles que je gère à Dijon et à Biarritz, et concernant Delphine de Courville, à Grenoble et à Lyon. Donc, il y a 6 endroits aujourd'hui où on peut se former en France. Et ce qui est
aussi une facilité parce que ça permet de faire moins de distance, mais ça permet aussi que si pour des raisons d'agenda, on ne peut pas faire un module et que ça vient nous retarder dans l'avancée de notre cursus, eh ben on peut aller le faire à un autre endroit, dans une autre école Corévi. Les livrets de formation sont exactement les mêmes, l'enseignement aussi. Donc, c'est une facilité. Et ça donne une... Puis, il y en a certains qui... c'est pas du tout une facilité d'agenda. C'est parce qu'ils ont envie de voir du pays et ils trouvent ça vachement sympa d'aller se balader un peu partout. Mmh. Bah, oui. Programme des modules à différents endroits dans différentes villes. Voilà. Mmh. Alors, je vous remettrai... hein, vous recevrez un mail après la conférence ce soir avec justement le lien pour le replay si vous souhaitez re-regarder la conférence. Et je vous mettrai les liens justement vers les sites d'Emmanuel, d'Emmanuel et de Delphine pour que vous puissiez approfondir tout ça et ensuite entrer en contact avec Emmanuel si vous avez des questions. Il y a Marie qui me fait rire là, faut-il apprendre les 500 protocoles par cœur? Oui. Alors, il faut ou pas? Eh bien, pas les 500, mais c'est vrai qu'à la fin de la certification, il y a des protocoles qu'il faudra apprendre par cœur et tous les tests musculaires, ben, il faudra les connaître. Les points réflexes d'équilibration, il faudra les connaître parce que une équilibration enfantée par le toucher, ça doit prendre 10 minutes, un quart d'heure, pas une heure parce qu'on ne connaît pas le corps. Donc, il y a certaines choses qu'il faudra apprendre par cœur, mais voilà, hein, il y a des révisions et puis ben voilà, il faut pratiquer, il faut apprendre avec les mains et avec le corps. Et donc, il n'y a pas 500 protocoles à apprendre par cœur, mais il y en a quelques-uns, je dirais qu'il y en a peut-être voilà, une peine. Il faudrait que je compte, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment compté, mais celles qui ont passé la certif, elles pourraient me le dire. Et il y a Martine, tu vois, en rigolant, qui dit la kinésio comme test pour savoir si on peut être stagiaire ou pas. Tu utilises ça dans tes entretiens? Alors, attendez, on a discuté pendant 2 heures, maintenant je veux être sûre, clac, stagiaire, pas stagiaire? Pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, ce ne serait pas suffisant pour moi. Moi, j'ai toujours besoin de confirmation. Et puis, en plus, voilà, il faut savoir que le test musculaire, il donne une réponse à l'instant présent. Toujours à l'instant présent. Pas dans 2 mois ou dans 2 semaines. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi. Il y a est-ce que c'est la bonne formation pour moi, mais il y a aussi est-ce que c'est le moment. Oui. Donc, tu vois, pour ces raisons-là, je ne pratiquerai pas comme ça. Et puis, pour moi, ce qui est la chose... beaucoup de personnes peuvent être kinésiologues, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit heureux dans ce métier-là et que donc il y ait une vraie capacité d'empathie et une curiosité pour l'humain. C'est vraiment les deux choses que je vais chercher à vérifier parce que c'est ce qui va être le plus utile finalement en kinésiologie et c'est ça qui fait un kinésiologue heureux. Moi, j'ai pas envie de former des kinésiologues. J'ai envie de former des kinésiologues heureux qui vont faire du bien autour d'eux. Voilà. Donc, les amis, si vous vous sentez concernés par cet appel, eh ben, contactez Emmanuel. Voilà. Moi, je trouve que c'est une belle phrase de. J'ai presque envie de dire une belle phrase de conclusion parce que les questions, il y en a plein. On pourrait continuer à discuter comme ça pendant des heures, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter. Donc. Vu le temps passer, moi. Ah oui, non, mais on pourrait continuer à discuter comme ça sans voir le temps passer, ça c'est clair. En plus, c'est vraiment un sujet super intéressant et moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez envie d'entrer en contact avec Emmanuel, je vous mettrai les coordonnées dans le mail et n'hésitez pas à lui envoyer un mail ou à téléphoner pour avoir plus d'informations. Mais je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là et je trouvais que c'était très joli ce que tu avais dit sur le fait de former des... En fait, c'est pas des médecins que tu veux former, c'est des êtres humains quelque part, on pourrait dire. Ah bah ceux-là, ils sont déjà formés, tu sais. Quelqu'un s'en est chargé. Ah bon? Tu voulais peut-être dire des êtres plus humains? Des êtres plus humains, voilà. Des êtres plus humains, voilà. Ah ça y est, j'ai commencé à faire... Ah non, hein, c'est pas gentil. Mais non, non. Eh bien, écoutez les amis, merci infiniment de votre jolie présence. Donc vous recevrez le lien pour le replay avec toutes les coordonnées d'Emmanuel. Emmanuel, merci à toi pour ce joli moment. Merci à toi aussi. Tu remercieras vraiment Inès. Tout le monde l'a remercié dans le chat. Tu pourras lui dire qu'elle a été entendue et que tout le monde lui dit merci. Et que c'est sincère. Donc, je vais aller lui dire dès maintenant. Et merci à toi, Muriel, parce que
Tu vois, j'étais un petit peu tendue et c'est pas un exercice facile pour moi. Et en fait, j'ai passé un super bon moment et j'ai aimé répondre à tes questions. Et voilà, j'espère que ça a fait plaisir. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé ce partage et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu m'as accompagnée. Donc vraiment, un grand merci à toi. Eh bien, avec plaisir. Puis surtout qu'a priori, ce sera pas la dernière fois. On ne dit rien, mais potentiellement, il est possible qu'il y ait autre chose qui arrive un peu plus tard. Donc, eh ben, ravi que cette première fois se soit bien passée pour toi et que ça ait été un baptême du feu réussi. Merci à toi, Emmanuel. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut, Mumu.